Il y a quelques mois, j'ai été invité à participer au tournage d'une émission consacrée à la détection de métaux, intitulée Chasseurs de trésors. Ce tournage avait lieu sur le terrain d'une grande maison provinciale construite au XVIIe siècle. Une demeure achetée il y a plus de 50 ans par le grand-père de Didier, l'un des deux animateurs de l'émission. Je suis resté sur place pendant 2 jours, et comme toutes les personnes présentes, j'ai passé une nuit dans cette maison. À cette période, le paranormal ne faisait plus vraiment partie de mes préoccupations, et je suis donc allé me coucher avec la personne qui partageait ma chambre sans me soucier de ces questions, sans m'en inquiéter et sans même y penser. Pour autant, pendant mon sommeil, je serai réveillé au milieu de la nuit avec la sensation désagréable et presque angoissante qu'une présence se trouve dans la pièce et m'observe dans l'ombre. Au matin, je vais faire part à Didier de ce qui s'est passé pendant la nuit. Mon hôte va alors s'ouvrir à moi sur ce sujet et va me confier que je ne suis pas le premier à rapporter avoir vécu ce genre de choses dans cette maison, que des événements étranges sortant de l'ordinaire s'y produisent parfois et que le spiritisme et l'occulte font d'une certaine manière partie de l'histoire du lieu. Didier va alors me conter quelques anecdotes plus ou moins récentes relevées par lui et ses proches ces 50 dernières années. Il va me parler de ressentis étranges, de bruits de pas entendus à l'étage, de coups et de sons inexplicables, de lumières qui s'allument seules et de fugaces apparitions. Didier va ensuite m'expliquer que son papa, aujourd'hui décédé, pratiquait régulièrement l'écriture automatique dans la maison. Des années 70 aux années 90, le père de Didier va ainsi communiquer avec des esprits et aurait eu de multiples contacts avec des défunts dont les messages auraient rempli de nombreux cahiers. À la fin de notre discussion, Didier va me dire la chose suivante. Si un jour tu reprends Chasseur de fantômes et que tu cherches un lieu pour faire une enquête, sache que la porte de la maison t'est grande ouverte. Cette proposition n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd, et 6 mois plus tard, me voilà donc dans le train avec tout mon matériel. Les fantômes existent-ils vraiment? Ou sont-ils seulement le fruit de notre créativité? De nos croyances, de nos fantasmes et de nos peurs. Équipé de mes caméras et de mon matériel, je me déplace seul, dans des endroits censés être le théâtre de phénomènes paranormaux. Et je tente de faire la part des choses, entre la réalité et la fiction, entre la croyance et la connaissance, entre la superstition et la vérité. Je m'appelle Gus DX, et vous allez partager avec moi mon expérience de chasseur de fantômes. Après quelques heures de voyage, je retrouve Didier. Sur le court trajet qu'il reste à parcourir en voiture, nous revenons ensemble sur les récents événements troublants qui se seraient produits dans la maison depuis ma venue, et principalement sur ce qu'aurait vécu Alexis, le binôme de Didier dans Chasseur de trésors, alors qu'il passait une nuit dans la maison. Il aurait lui aussi été réveillé par un sentiment de présence dans sa chambre, aurait ensuite entendu un objet tomber puis rouler sur le sol. Il se serait rendormi et au matin aurait de nouveau été réveillé par quelque chose qui le poussait et par une voix qui l'invitait à se lever. Cette expérience aurait véritablement troublé son esprit cartésien et étrangement, le sentiment de présence qu'il aurait ressenti n'est pas sans rappeler ce que j'ai moi-même expérimenté dans la maison il y a quelques mois et dont il n'avait pas eu connaissance. Tout cela n'a sans doute rien de paranormal, et n'est peut-être que le fruit de notre imagination, ou de notre subconscient stimulé par l'ambiance et l'atmosphère générale de la maison. Pour en avoir le cœur net, je vais donc passer à nouveau une nuit complète dans la demeure, et une partie de la soirée seule avec mon matériel, dans l'espoir de capturer des éléments concrets et probants qui pourraient permettre de comprendre ce qui se passe peut-être dans cette maison depuis plus de 50 ans. Donc me voilà dans la maison de Didier, en tout cas de sa famille, là où il vit. Et puis ben, dans l'immédiat, avant de visiter la maison, de vous la présenter plus en détail et de la redécouvrir, parce qu'en fait ça fait plusieurs mois que je suis pas venu, hein. Je suis venu une fois l'été dernier. Avant cela, je vais prendre mes marques, je vais m'occuper de mon matériel, je pense m'installer dans cette pièce-là. La pièce qui est ici, qui est en fait la salle à manger. Donc je vais me servir de cette pièce comme entre guillemets comme QG. C'est là que je vais mettre mon matériel. Je vais faire ça tout de suite. Et puis on fera une visite de la maison au fur et à mesure de l'enquête.
Ce que je compte faire dans un premier temps, c'est pas forcément mener une vraie enquête, enfin une enquête en bonne et due forme. Je compte surtout prendre mes marques et puis vivre un peu la maison. Prendre le temps de m'installer, de manger, de boire un verre d'eau, de découvrir la maison, d'essayer de la comprendre, voilà, avant de réellement tenter des interpellations, avant d'installer des appareils et des caméras. Quoique je vais peut-être dès à présent installer un peu de matériel. L'idée, c'est de garder constamment avec moi au moins une caméra qui me filme et que je peux utiliser, on ne sait jamais, s'il se passe quelque chose, on peut imaginer que, je ne sais pas, un bruit ou autre, je puisse tout de suite avoir un moyen de filmer et de réagir. Après m'avoir conduit jusqu'à la maison et m'en avoir confié les clés, Didier est immédiatement reparti avec sa voiture, me laissant seul dans les lieux. Il est déjà 18h30 et sans attendre, je vais tout de suite m'occuper de mon matériel et je vais prendre possession de la salle à manger dont la table va rapidement se retrouver recouverte de mes différents équipements. Ce sont mes premiers instants dans la maison. La nuit est déjà tombée et je ne suis pas complètement serein. J'ai même l'étrange sensation que l'on m'observe et les quelques bruits sans doute anodins que j'entends et qui proviennent des autres pièces ne m'aident absolument pas à me tranquilliser. Bien au contraire, j'ai l'impression de ne pas être seul dans la maison. C'est pourtant bel et bien le cas, et ce sentiment de présence n'a certainement rien de réel. Je vais donc passer outre, et dans un premier temps, je décide de disposer trois pods à trois endroits stratégiques dans la maison. Je ne suis pas spécialement convaincu par l'efficacité et l'utilité de ce type de capteur de champ électromagnétique, mais ils pourront toujours faire office de détecteurs de mouvement et vont ainsi surveiller trois zones de passage qui desservent plusieurs pièces et plusieurs escaliers. Je vais ensuite reprendre ma caméra, mais quelque chose ne va pas, quelque chose me dérange, et vous allez voir que je ne suis vraiment pas à mon aise, et que je vais même être surpris et rapidement dépassé par les événements. Voilà, dans l'immédiat, j'ai disposé trois pods sur les paliers, donc un juste au-dessus à l'étage en haut de l'escalier, un en haut de l'autre escalier et un ici, dans les endroits un peu passants, les endroits qui desservent les pièces. Voilà, je les pose, on ne sait jamais. Si j'ai un signal, j'interviendrai, j'essaierai de comprendre pourquoi. Puis s'il ne se passe rien, il ne se passera rien. Dans l'immédiat, ce que je vais faire, moi, c'est manger, histoire de reprendre des forces parce que j'ai... une longue journée derrière moi, et puis juste après, je pense que je commencerai à réfléchir à ce que je... Voilà, pour le moment, je vais manger un peu, me reposer, boire un peu, boire un coup, boire un bord de l'eau. Alors, écoutez ça. En fait, je me rendais pas compte, j'étais en train de... On a ce pote qui vient de se déclencher. Truc de malade. Et on en a un à l'étage qui fonctionne aussi. C'est quoi ce délire ? Alors, qu'un pod se déclenche parce qu'on a appuyé sur un interrupteur, je dis pas. Alors là, je m'y attendais pas. C'est la première fois que j'ai un autre pod qui a... C'est celui de... Il y a un autre pod qui est actif. Ok. Et le pod vient de s'arrêter au moment où j'arrive près de lui. C'est quoi ce truc de fou ? J'étais en train de vous expliquer que j'allais faire une pause pour manger. Le pod que je venais de poser en bas s'est activé et j'ai entendu qu'un pod, celui-ci, est en train de fonctionner. À ce moment-là, le pod qui était en bas s'est activé aussi. Et au moment que j'arrive près de celui-là, celui-ci s'arrête.
Est-ce que c'est vous qui avez activé mon pod, cet appareil? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? C'est un truc de dingue. Ah, mais en plus, franchement, je vous le dis, hein, je les ai posés sans conviction. Moi, les pods, j'ai rarement eu des... Ça a rarement fonctionné. Et il faut savoir une chose, c'est que ces appareils-là ne réagissent pas avec les ondes Wi-Fi ou 4G. Donc, parce que je pensais à la box en bas. Mais non, c'est pas possible. Et le truc qui me dérange le plus, c'est que ça s'arrête au moment où j'arrive ici, quoi. Enfin, qui me dérange, qui me surprend. Là, on a un déclenchement de deux pods simultanément. Alors, est-ce que c'est lié au réseau électrique? Pour en avoir le cœur net, il faut que j'utilise mon détecteur. Mais je vois pas pourquoi, parce qu'il n'y a pas eu de... J'ai pas... Enfin, quelqu'un aurait allumé ou éteint une lampe, mais c'est pas le cas. Et pourquoi ça s'est arrêté au moment où j'approche de ce pod-là? Au moment où j'approche, il s'arrête. C'est peut-être lié tout simplement à une source électrique. Ça, c'est possible, mais... Si c'est le cas, je comprends pas, parce qu'il aurait fallu allumer ou éteindre une lumière pour que ça fasse un déclenchement. Et là, il n'y a rien eu. Ah, en même temps, regardez, mon pod, juste en dessous, on a cette boule. Peut-être qu'une fluctuation électrique a déclenché les pods, mais les deux, à deux endroits différents. Et pourquoi il se sera arrêté quand je me suis approché? Je comprends pas. Je vais manger, ensuite j'éteins le courant pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Mais là, il faut absolument que je mange, que je reprenne des forces. Il n'y a certainement rien de paranormal. Je vais élucider le truc. Je vais élucider le truc. Alors, par contre, je vais laisser cette porte ouverte pour mieux entendre le pote, parce que j'ai eu un gros doute. Je l'ai entendu sonner. J'ai eu un gros doute que ce soit vraiment lui qui était en train de sonner à l'étage. Donc, pour le moment, rien de suspect. Tout ça peut s'expliquer. Il y a le courant dans la maison, ça peut jouer. Il va falloir que je le coupe. Ça me semble évident. Déclenchement du pod à l'étage. Je sais pas si c'est électrique. Est-ce qu'il y a un truc qui peut le déclencher ? Il va falloir que je coupe le courant. C'est dingue parce que dans la voiture, j'expliquais justement à Didier, on parlait de ça, on parlait des appareils qui captent les fréquences électromagnétiques. Je vais expliquer que je suis pas convaincu par ces appareils. Je les avais emmenés juste comme ça pour voir. Mais à mon avis, c'est électrique. Il faut que je mange, je m'en occupe après. Je réagis plus pour le moment à ces déclenchements. Je pense qu'ils sont explicables. Il y a bien évidemment une explication aux réactions répétées de mes pods. Mais pour le moment, je ne la connais pas et je ne peux faire que des suppositions. Si on se fie à mes ressentis, à l'état anxieux dans lequel je me trouvais au moment où ils ont réagi, on pourrait penser que ces déclenchements corroborent l'idée qu'une présence est bel et bien avec moi dans la maison. Et que c'est elle qui influe sur mes appareils. Toutefois, avant de mettre en avant d'éventuelles causes paranormales, il est toujours préférable de favoriser les causes et les explications rationnelles. Il se peut que je me trompe, mais dans le cas présent, je reste dans l'idée que ces déclenchements sont liés au réseau électrique de la maison, qui n'est pas coupé pour le moment.
Je décide donc de ne plus m'en préoccuper et de me concentrer sur mon repas. La nuit risque d'être longue et j'ai besoin de reprendre des forces. Après m'être restauré, je vais installer 3 caméras statiques à vision nocturne en direction de chacun des 3 pods et des détecteurs de mouvement à leur proximité. Je vais ensuite m'équiper de mes caméras embarquées et éteindre le courant, plongeant la maison dans l'obscurité. Voilà, la maison est totalement désélectrisée. Je sais pas si ça se dit. Je vais passer en infrarouge. Je vais attaquer une enquête plus traditionnelle. Je vais me présenter. Il n'y a eu absolument aucun bruit particulier depuis tout à l'heure. Il n'y a eu absolument aucun bruit particulier depuis tout à l'heure. Aucun bruit particulier depuis tout à l'heure. Que je dis ça pour qu'il y ait un bruit particulier. C'est fou. Alors, j'étais installé sur ce fauteuil pour manger. Peut-être que le cuir a bougé. C'est des fauteuils en cuir. Ça m'aurait fait penser à un son de ce type. Il n'y avait franchement aucun bruit. Là, soudainement, je vais en entendre plein. J'ai avec moi aussi mon appareil qui me permet de capter, de surveiller différents champs électromagnétiques, électriques et les radiofréquences. Je ne vous cache pas que là, c'est beaucoup plus tendu. Forcément, dès qu'on est dans le noir, c'est très différent. Bonsoir. Je m'appelle Guillaume. Et Didier m'a autorisé à passer la nuit dans sa maison. C'est quoi ça? Et Didier m'a autorisé à passer la nuit dans sa maison. La nuit dans sa maison. C'est quoi ça? Je viens d'entendre un chien aboyer. C'est quoi le délai? Il n'y a pas de chien ici? Mais pas loin, s'il avait derrière la. Enfin là. Ah non, j'entends, mais plus loin pour le coup, je sais pas. Alors il y a des petits bruits maintenant à l'étage qu'il n'y avait pas tout à l'heure. C'est beaucoup plus facile d'évoluer dans la maison quand il y a de la lumière. Là pour le coup. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je suis venu pour ça. Pas mal de personnes dont je fais partie. Il y a quelques mois, je suis venu passer une nuit dans la maison. Pas mal de personnes ont vécu ou ressenti des choses. Et pensent que c'est peut-être lié à une ou à des présences. Et si je suis là ce soir, c'est pour très modestement tenter, peut-être, de savoir si c'est le cas, s'il y a bel et bien s'il y a bel et bien
s'il y a bel et bien... Bruit de canalisation. Je pense. Là, comme ça, je dirais un bruit de canalisation. Espèce de gargouillis. Mais il y avait des chauffeurs. Bon, les jantes. Alors, soyez certains de mes bonnes intentions. Non, mais c'est quoi ce bruit? Soyez certains de mes bonnes intentions. Non, mais c'est quoi ce bruit? Mes bonnes intentions. Mais c'est quoi ce bruit? C'est ça que j'ai entendu tout à l'heure, c'est pas un chien qui aboie, c'est une espèce de gargouillis, c'est les canalisations qui font ça. Ça venait derrière moi, je sais pas ce que c'est. Une espèce de croissement même, de... J'en ai entendu un par là. Maintenant il y en a un derrière moi. Je suis pas hyper tranquille. Alors, sachez que c'est difficile pour moi. Parce que la sensation que j'ai eue la nuit où j'ai dormi ici n'était pas très agréable. Et j'ai ce souvenir-là encore. Donc ça me demande un effort d'être ici avec vous. J'ai longuement discuté avec Didier, qui m'a parlé de sa famille, de sa vie, de vous, peut-être. Je ne sais pas qui est ici, pas forcément des parents à lui ou de la famille. Mais nous aimerions comprendre pourquoi plusieurs personnes, dont je fais partie, ont... C'est quoi ce bruit ? Sans doute une canalisation. Plusieurs personnes ont donc témoigné de présence ou de sensation de présence ici. Donc je suis simplement là pour enregistrer ces signes, éventuellement obtenir des messages de vous, si vous en avez à délivrer, si vous avez quelque chose à dire, à partager, à montrer, eh bien je suis là essentiellement pour ça. Vous pouvez... Alors, voilà, mon capteur de mouvement s'est allumé, mais c'est parce que il m'a détecté. Pour communiquer avec moi, vous pouvez vous approcher des différents appareils, les capteurs que j'ai posés, positionnés. Un parquet particulièrement bruyant. Alors là, on a un parquet particulièrement bruyant. Un parquet particulièrement bruyant. Ça, c'est un sacré bruit. Il y a eu un énorme tac. Ça va être très difficile pour moi de savoir à quoi j'ai affaire. Donc vous pouvez, c'est encore moi qui viens d'activer mon capteur, vous pouvez vous approcher des différents appareils, ce sont de simples capteurs de présence. Ils sauront me dire si vous êtes là. J'ai entendu sonner certains de mes appareils tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi ils ont...
retentit. Si c'est grâce à vous, ou du fait de votre présence, est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez réactiver les appareils que j'ai installés dans la maison ? Cela fait à peine une dizaine de minutes que je me trouve dans l'obscurité et que je mène véritablement mon enquête. Si mes pods ne se sont plus activés, je vais par contre être surpris par une quantité étonnante de bruits difficilement identifiables qui vont retentir dans la maison. Après le calme absolu qui m'a accompagné pendant mon repas, l'atmosphère qui règne désormais dans les lieux est très différente, et tous ces bruits sont particulièrement déroutants. Toutefois, je viens de couper le courant, et il est fort probable que la plupart de ces sons est un lien avec l'extinction des chauffages électriques à huile installés dans la maison à différents endroits et qui sont en train de refroidir. Ce que j'entends depuis quelques minutes n'a donc sans doute aucun lien avec la présence éventuelle de fantômes ou d'entités dans la maison. Mais il faut bien avouer que je ne suis absolument pas rassuré au moment où j'approche de la chambre dans laquelle j'avais passé une mauvaise nuit il y a quelques mois. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans cette maison ? Est-ce que vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît ? Vous pouvez faire un bruit, par exemple, aussi. Quelque chose de distinct que je pourrais entendre. Vous pouvez aussi vous approcher de moi, venir jusqu'à moi, me parler. Venez jusqu'à moi, s'il vous plaît. Je suis venu pour vous et pour tenter de comprendre ou de savoir. S'il y a bel et bien quelqu'un, plusieurs personnes ici. Est-ce que vous pourriez vous approcher, s'il vous plaît ? Je m'appelle Guillaume, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez me donner votre nom ? S'il y a quelqu'un ici dans la maison, avec moi, ce soir, est-ce qu'il peut me donner son nom ? Comment vous appelez-vous ? N'hésitez pas à vous manifester. N'ayez pas peur de moi. Vous ne craignez rien. Je ne veux pas vous embêter. Je ne veux pas vous déranger. Donc là, on est sous les...
dirais qu'on est dans les combles. Chouette. Alors je vais pas m'y aventurer. Il n'y a plus que les poutres. On va pas prendre de risques. C'est un grenier vide. Je vais redescendre pour voir si ce qui s'est passé tout à l'heure se reproduit, si on a à nouveau des déclenchements de pod. Pour le moment, à part quelques bruits étranges comme le gargouillis que j'ai entendu tout à l'heure, je ne note absolument rien de particulier. Qu'est-ce qui fait froid dans cette pièce? Toutes les pièces ne sont pas chauffées. Et la maison est grande. Je suis ici pour tenter de savoir si cette maison est habitée par d'autres personnes que Didier. Ou si cette maison est susceptible d'être le théâtre de manifestations un peu étranges. On m'a rapporté pas mal de choses. J'ai entendu des témoignages de personnes qui ont été surpris par des présences dans cette maison et je pense peut-être en faire partie. Est-ce qu'il y a une femme dans cette maison avec moi ? Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que vous sauriez venir jusqu'à moi, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez activer mes pods, mes appareils qui sont au sol, comme vous l'avez fait tout à l'heure? Bien entendu, je ne pense pas que ce soit eux qui l'ont fait. Je pense que c'était lié à l'électricité, à mon avis, au réseau électrique. Même si c'est surprenant, puisque pour qu'il y ait une activation de pod, en plus à deux endroits différents, deux endroits qui n'ont absolument rien à voir, il aurait fallu qu'il y ait une interaction avec des interrupteurs dans la maison. Ou une énorme fluctuation de courant, or il n'y a rien eu. Pas que je sois trop pressé, de toute façon, j'ai la nuit entière. Et par expérience, souvent les choses se passent quand on s'y attend le moins. On l'a vu tout à l'heure avec ces réactions de pod. À un moment où je vous expliquais que j'allais partir me faire à manger et manger, et où j'ai dû intervenir. Et donc là, au moment où j'aimerais avoir une activation, où je la sollicite, il ne se passe absolument rien. Alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est une séance de Spirit Box.
un appareil que j'avais décidé de ne plus utiliser. Et finalement, j'ai réfléchi, c'est vrai que... Un bruit à ma gauche, un tac, mais qui peut s'expliquer. Je viens de quitter la pièce. Peut-être un meuble. Vous êtes là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Faites quelque chose pour que je puisse vous entendre, savoir que vous êtes ici. S'il vous plaît. Je vais m'armer de ma PSB11, un appareil qui scanne les fréquences radio sans pour autant la capter et qui permettrait d'entendre des voix venues de l'au-delà. C'est de ce fait un instrument controversé. Et je dois bien avouer que moi-même, je suis partagé sur son utilisation et sa fiabilité. Mais bien utilisée, il faut avouer qu'elle peut parfois donner des résultats intéressants. L'avantage du modèle que j'ai en main, à la différence de celui utilisé la plupart du temps par d'autres enquêteurs, c'est qu'il permet de brider l'antenne et de ne plus capter les fréquences radio. On obtient alors un bruit blanc, continu, sans risque d'interférence, et la plupart du temps, une session avec cet appareil ne donne aucun résultat. Si une voix devait retentir dans les haut-parleurs de cette Spirit Box, la probabilité qu'il s'agisse d'une émission radiophonique est de ce fait minime, et on peut légitimement se poser des questions sur sa provenance et sur le sens des mots éventuellement entendus. Ouais. Je vais attendre d'abord pour m'assurer de qu'on n'entend pas d'interférence radio. Donc là, si les box est en train de faire le tour des fréquences, et vous l'entendez, il ne capte rien. C'est une station, a priori. Donc là, le bridage fonctionne. On restera peut-être aussi tout à l'heure sur un bruit blanc constant, on va voir. J'arrive par ce biais à avoir des résultats. Bonsoir, j'ai une radio dans la main qui me permet, peut-être, de capter votre voix. Est-ce que vous pouvez essayer d'utiliser cet appareil pour me parler, s'il vous plaît ? Me dire un mot, un message. Éventuellement votre nom, votre prénom. De mouvement, mais c'est moi qui vais le détecter. Est-ce que vous êtes là avec moi dans cette maison? Dites quelque chose à travers là, mon appareil. Bon, j'ai cru voir une ombre, mais je l'ai peut-être rêvé. Quelque chose au sol, de noir et... C'est comme si quelque chose avait rampé sur le sol, mais c'est n'importe quoi, c'est pas possible. Ça doit être une impression. Si c'est le cas, ça sortait de là et ça rampait sur le sol. Sur quelques mètres. C'est très bizarre. Si ça a peut-être été filmé. Mais j'ai peut-être rêvé, j'ai peut-être halluciné. J'ai pu entendre une voix aussi dans la Spirit Box tout à l'heure, mais j'en suis pas sûr. Pas une voix, mais un râle lointain, plutôt féminin, quelque chose comme ça, mais... Le capteur s'allume, mais c'est moi.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre ou dans cette maison avec moi? Pouvez-vous utiliser mes appareils pour rentrer en communication avec moi, s'il vous plaît? Je suis là pour savoir tout simplement s'il y a un attachement à cette maison de la part de certaines personnes qui sont peut-être aujourd'hui c'est difficile de leur parler, trouver les mots parfois, qui sont peut-être aujourd'hui tout simplement décédés, pourquoi pas, ou qui protègent cette maison, ou qui l'habitent encore. Alors j'avais l'impression d'entendre mon pod. Mais ça doit être une impression. Un ami à moi a été réveillé pendant la nuit par des bruits, puis par la sensation d'être secoué au matin. Il a entendu une voix féminine, une femme, qui lui parlait dans cette chambre. Cette expérience l'a un peu secoué pour le coup, car il est très rationnel. Alors certes, ça peut être un mauvais rêve, ça peut être psychologique, c'est peut-être rien passé, ou au contraire, peut-être que vous étiez là, à ses côtés, et qu'il a eu la chance d'avoir un contact avec vous. J'aimerais avoir la même chance ce soir, ou cette nuit. Les appareils que j'ai avec moi servent simplement à filmer, à enregistrer tout ça. Est-ce que vous pourriez me parler via ma radio? Pour le moment, aucun son, aucune voix dans la spirit box. Alors, on est sûr qu'elle ne capte pas la radio pour le coup. A priori, plus aucun déclenchement de pod. En effet, après vérification, j'ai pu constater qu'aucun de mes trois pods ne s'est activé. Mes sens sont tout simplement trompés par le bruit blanc, saccadé, lancinant et irritant de la spirit box qui balaye les fréquences. Et je ne sais plus vraiment si ce que j'entends est issu du haut-parleur de mon appareil ou de l'environnement qui m'entoure. De la même manière, ce que j'ai cru voir n'était absolument pas réel. Ma vision est tout simplement troublée par l'obscurité et par le jeu de mes lampes. Je vais continuer de déambuler dans la maison pendant plus de 3 quarts d'heure, interpellant et invitant d'éventuelles entités à se manifester. Mais je n'obtiendrai aucun résultat. Aucun son, aucun bruit, ni aucune voix ne vont retentir dans la PSB-11. Tout est donc excessivement calme. L'atmosphère générale est paisible, je ne ressens rien de particulier, et je suis même de plus en plus à mon aise dans la maison. Mes pas vont me conduire au pied d'un escalier dont je vais gravir les marches. Elles mènent sous les toits, dans un autre grenier. Dans cet endroit, vous allez voir que la quiétude et la sérénité dans laquelle je baignais depuis presque une heure vont rapidement disparaître. Bonsoir. Il fait très froid ici donc. Ah, ça fait bizarre. Bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes ici par hasard? Je suis en train de vous chercher partout dans la maison. J'essaye de rentrer en contact avec vous. Alors, peut-être que je parle au mur, peut-être qu'il n'y a personne. Mais je suis justement là pour... tentez de le savoir. Bon, je vais m'asseoir ici, puis on va faire un peu de spirit box tranquillement. Je vais la poser.
J'ai posé un appareil sur le sol. Essayez de l'utiliser pour me parler. Pas évident d'être dans cet endroit. Il n'est pas austère hein, en soi, mais tu vois. Donnez-moi votre nom, par exemple, tout simplement. Je viens d'entendre quelque chose, là, c'est sûr. Et c'était très étonnant. Je ne sais pas si c'était dans la Spirit Box, parce que ça s'est poursuivi sur plusieurs fréquences, j'ai l'impression. J'ai entendu quelque chose. Est-ce que vous pouvez essayer à nouveau? C'est une espèce de... Est-ce que c'est vous que j'ai entendu dans la radio? C'était bien une voix. J'ai là, faudrait que je réécoute en... Il m'a semblé entendre un coup là. Quelque chose de fort. Je l'ai entendu malgré la Spirit Box. Il m'a semblé entendre un coup, peut-être une voix aussi dans la Spirit Box, dans cet appareil. Je sais pas si vous me voyez, si je ne sais pas si vous m'entendez. Et je sais pas si ce que j'entends est ce que je crois que c'est. Je sais pas si je suis clair. C'est pas évident. C'est pas facile là, faut prendre sur soi. Hein. J'essaie de rester le plus objectif possible. Est-ce que c'est vous que je viens d'entendre? Dans ma radio. Est-ce que c'est vous qui venez de faire un bruit? Un coup? Est-ce que vous êtes là avec moi? Pouvez-vous à nouveau vous exprimer à travers ma radio, s'il vous plaît? Je redescends. En fait, je redescends parce que je suis pas très à l'aise. Dans cet espace. Peut-être avoir besoin de faire un petit break. Après seulement quelques minutes de présence à cet étage, je me sens extrêmement mal à l'aise et je décide de quitter les lieux. Plusieurs événements qui sont certainement responsables de l'oppression que je ressens viennent de s'enchaîner en à peine quelques minutes. Ce qui vient de se produire est extrêmement intéressant et mérite que l'on s'y attarde. Je viens de m'asseoir et je vais être surpris par quelque chose que je crois voir du coin de l'œil sur ma gauche, comme une forme qui se détache dans la pénombre. Je vais immédiatement tourner ma caméra et ma torche dans cette direction. Mais en éclairant et en filmant la zone, je ne verrai plus rien. Je vais alors me rendre compte que le mobile, fixé à l'encadrement de la fenêtre derrière moi, est en mouvement. Je vais ensuite demander à ce que l'entité qui pourrait être ici me donne son nom. Et c'est là qu'une voix va retentir dans la Spirit Box, pourtant silencieuse depuis presque une heure. Donnez-moi votre nom, par exemple, tout simplement.
viens d'entendre quelque chose, là, c'est sûr. Sur le moment, je n'ai pas été en mesure de comprendre ce que je venais d'entendre. Mais lors de l'analyse de ce son, je vais rapidement découvrir quelque chose d'étonnant et de déterminant. Donnez-moi votre nom, par exemple, tout simplement. Lors de la réécoute de cette séquence, je vais donc découvrir qu'il s'agit d'une voix plutôt féminine qui semble prononcer le mot « Perrin ». Or, le mot « Perrin » n'est autre que le nom de famille de Didier qui a perdu ses aïeux eux-mêmes propriétaires tour à tour de cette maison depuis plus de 50 ans. Je ne peux absolument pas affirmer que mon analyse est juste, mais si l'on prend en considération la question que je pose quelques secondes avant que ce mot ne retentisse dans mon appareil, j'ai envie de croire qu'à ce moment-là, j'ai peut-être obtenu une véritable réponse. Donnez-moi votre nom, par exemple, tout simplement. Après avoir entendu cette voix, je vais tenter d'en savoir plus, mais je vais rapidement éteindre mon appareil, car je viens d'entendre un bruit fort qui semble provenir des autres pièces du grenier. Je vais alors relancer ma spirit box, mais quelque chose ne va pas. Depuis que j'y ai mis les pieds, je me sens oppressé dans ce grenier, et cette sensation est tout simplement en train de m'envahir plus fortement. Et après seulement quelques minutes de présence à cet étage, je décide de quitter les lieux et de faire une pause dans mon enquête. Bien entendu, les différents événements qui viennent de se produire n'ont peut-être aucun lien entre eux, sont peut-être explicables rationnellement, sont peut-être mal interprétés et sont peut-être le fruit d'une simple coïncidence. J'aimerais croire, ou être sûr, ou pouvoir dire qu'un contact avec une entité qui se serait trouvée dans ce grenier avec moi, qui m'aurait donné son nom et qui pourrait être un parent de Didier, ait véritablement eu lieu. Mais malgré cette série étonnante d'événements, il m'est impossible d'affirmer une telle chose, et je resterai prudent dans mes analyses et dans mes conclusions. J'ai désormais besoin de reprendre des forces et de me remettre les idées en place avant de poursuivre mon enquête. Je vais donc remettre le courant dans la maison et faire une courte pause. Je vais ensuite installer mon matériel et mes caméras dans le salon, pièce dans laquelle je compte mener une sorte d'expérience spirit. Quelque chose que je n'ai encore jamais pratiqué et qui, même si j'ai du mal à y croire et même si je ne suis pas sûr de réussir, permettrait d'obtenir d'incroyables résultats. Alors, je suis installé dans le salon. J'ai concentré la plupart des caméras dans cette pièce. Je vais éteindre la lumière dans quelques instants. Avant ça, je vais vous montrer l'installation que j'envisage de faire. J'ai donc en face de moi le térémine, un térémine qui est juste là, qui va réagir un peu comme un capteur de mouvement sonore. J'ai là mon détecteur de champs électromagnétiques et de champs électriques et de radiofréquences. D'ailleurs, je vous montre rapidement comment il réagit. Ça, c'est le térémine. Regardez en bas les données liées à la Wi-Fi, à la box qui est juste là. On obtient d'énormes fluctuations. Voilà, l'appareil se met même à sonner. Donc ça, c'est à ne pas prendre en compte, évidemment. L'avantage de cet appareil, c'est que je peux laisser finalement ma connexion Internet et ne pas en tenir compte. Les réactions sont lues par l'appareil. De la même manière, là, on peut avoir des réactions électriques. Alors, je vais essayer. Voilà, vous voyez que Electric File, on a deux barres. Et ça monte encore plus. Donc ça aussi, on n'en tient pas compte. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la donnée du haut. Magnetic file, champ électromagnétique. Si ça, ça fluctue, si on atteint 2 barres, 3 barres, si les données, la donnée numérique augmente, eh bien là, on peut vraiment se poser des questions. Jusqu'à présent, je n'ai jamais été témoin d'aucune fluctuation de ce type dans cette maison, ni dans mes enquêtes, mon enquête précédente. Pourquoi je suis installé là ? Pour une raison simple. Didier m'a laissé une boîte que j'ai parcourue tout à l'heure quand je mangeais. Je m'étais installé là avec mon sandwich. C'est une boîte qui contient des documents qui appartenaient au papa de Didier. Le papa, alors il faut savoir que dans cette maison, plusieurs séances de spiritisme ont eu lieu. Notamment, il y a eu ce qu'on appelle des tables tournantes. Mais il y a eu aussi de l'écriture automatique qui a été faite assez régulièrement et qui était pratiqué par le papa de Didier,
qui s'adonnait à ça, et qui a donc laissé de nombreux cahiers, comme celui-là, et tous ceux qui sont en dessous, qui contiennent eh bien, des expériences d'écriture automatique. Je vais vous montrer ça un peu de loin, parce que c'est un document un peu privé, avec parfois des choses très personnelles que je ne peux pas forcément vous montrer. Mais sachez que tout ce que vous voyez là a été réalisé en écriture automatique. Qu'est-ce que l'écriture automatique, pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, c'est une personne qui prend une feuille, un stylo, et qui se détend, qui se concentre, qui essaye de méditer, enfin se laisse aller, et qui va, et dont la main et le crayon vont être guidés, c'est ce qu'on raconte, par une entité, par un esprit, qui va s'exprimer à travers la personne. Alors, est-ce que c'est notre subconscient qui parle? Est-ce qu'il y a une réelle connexion qui se fait avec un vrai esprit? Je n'en sais rien. Moi, j'aurais tendance à pencher pour l'idée du subconscient qui nous ferait écrire sans qu'on s'en rende compte, un petit peu comme avec la planche Ouija. En tout cas, c'est assez surprenant ce que j'ai pu découvrir dans les documents que j'ai sous les yeux. Là, tout ça, vous voyez, c'est de l'écriture automatique. Bonsoir Raymond, un grand merci pour ton... Je ne sais pas ce qu'il y a d'écrit. Il m'a fait un énorme plaisir avec cette petite clochette offerte. Je suis heureux. Donc c'est Claude, je te salue ce soir. Je suis une ancienne amie et je suis parti avec les anges. Je ne sais pas si tu te souviens du lycée à Bonn. Alors là, une écriture très différente. Claude ne croit pas que ce soit faux. Je suis toujours avec vous. Voilà, je vous lis un petit peu des phrases en passant. Marie-Madeleine, gentil, oui. Des dessins. Alors, il y a énormément de dessins très surprenants. Comme celui-là. Ange, Dieu, bonne nuit, bonsoir, ami. Encore des textes. Pour Raymond, une fleur. Et alors, là, vous voyez, un gribouillis, ça commence à une espèce de gribouillis, puis petit à petit, ça se précise et ça devient une véritable écriture. Pas toujours évidente à lire, mais c'est très, très, très étonnant. Tu pourras me dire qui tu veux tous les soirs, mais avant, cherche à t'isoler de ta famille. Ils ne sont pas... Voilà, c'est des choses très, très privées que je préfère ne pas forcément lire. Là aussi, voilà, un début d'écriture, et puis finalement, pas grand-chose comme résultat. Alors, un peu plus loin, il y a des dessins que je voudrais vous montrer. Voilà, regardez ce qui a été fait. Très étonnant, des oiseaux comme ça. Enfin, moi, je pense que c'est des oiseaux, c'est ce qui m'a semblé, et en fait, ça se concrétise plus loin. On a clairement des oiseaux qui sont dessinés. C'est assez étonnant. Donc, j'ai parcouru ça tout à l'heure. Et j'avoue que j'étais scotché par la quantité d'écrits déjà, par certaines différences de typographie d'écriture. Là, vous voyez, on a des lettres qui sont énormément appuyées. C'est très, très, très étonnant. J'aimerais vous montrer d'autres dessins, parce que c'est ce qui m'a finalement... Voilà, là aussi, ça, c'est quand même fou. On a l'impression que c'est une écriture, il faudrait vérifier. Est-ce qu'on a affaire à un vrai symbole, un vrai alphabet, voilà, je ne sais pas de quelle ethnie. Ce sera à vérifier, mais je n'en sais rien. Voilà, regardez ça. Des têtes comme ça, qui sont dessinées. Très souvent, apparemment, les mêmes entités revenaient lors de ces séances de communication. Là, on a un bateau qui a été comme ça, griffonné. Voilà les dessins qui ont été faits en écriture automatique. Celui-là est assez fou. Un bateau, là. Moi, je suis assez scotché quand même par le résultat. Est-ce que ça fonctionne réellement? Je n'en sais finalement rien. L'idée, ce soir, voilà, il y en a d'autres. Hein. Tout ça, ce sont des cahiers, des choses qui ont été faites en écriture automatique. Voilà, encore un dessin. Et je voulais rapidement vous les montrer. Ça m'a juste tout simplement donné envie d'essayer à mon tour l'écriture automatique. C'est pas quelque chose que je fais, je ne l'ai jamais fait en fait. Donc ce soir, je vais improviser ça. J'ai emmené des stylos, enfin un stylo, un crayon, un petit carnet. Je vais tenter l'expérience moi-même. Je ne sais pas si je vais obtenir des résultats. Je vais essayer de me concentrer,
de me détendre dans des conditions un peu particulières finalement ce soir, et je vais tenter de voir si quelque chose se met en place. Pour parfaire l'expérience, j'ai prévu toute une petite installation, le temps de la mettre en place, et je reviens vers vous. Voilà, alors, je suis affublé d'un casque un peu étrange. C'est un casque qui permet de capter les ondes cérébrales, assez basiquement, hein, de manière assez simple, c'est pas quelque chose d'extrêmement précis. Il permet toutefois, voilà, regardez, là on est connecté directement avec, pas mon cerveau, mais presque, avec différentes ondes, bêta, alpha. L'idée est que ici on a une jauge d'attention et une jauge de méditation. L'idée, dans le cas de cette séance d'écriture automatique que je vais tenter, c'est d'utiliser cet appareil déjà pour tenter de me concentrer au maximum. C'est-à-dire, plus je vais me concentrer, plus ça va réussir à m'apaiser, me concentrer, et puis voir aussi si on a des réactions particulières en fonction de ce qui pourrait éventuellement se passer lors de la séance, s'il se passe quelque chose. L'idée, ce serait que je reste concentré tout le long, même si ma main se mettait à écrire quelque chose. Et ça, on le verra grâce à cette application reliée directement avec mon casque. Donc j'ai un capteur sur l'oreille, un capteur sur le front. Je vais donc poser la tablette en vue ici. Et puis ce que je ferai peut-être aussi, c'est mettre ce masque pour me cacher les yeux, pour ne pas voir ce que j'écris, si j'écris quelque chose. Et ça, c'est pas gagné. Ce que je vais faire aussi, c'est me mettre dans le noir. Donc je vais aller éteindre le courant. Et puis je reviens vers vous. Voilà, donc je suis pratiquement dans le noir, en dehors de cette zone qui est un petit peu éclairée. Raymond, je ne sais pas si vous m'entendez, je ne sais pas si vous êtes là. Didier m'a raconter que vous faisiez, que vous pratiquiez l'écriture automatique. Et j'ai eu la chance, le plaisir de voir ce que vous aviez écrit lors de ces séances. Je n'ai jamais pratiqué ce genre de choses, mais je vais essayer à mon tour de voir si j'arrive à établir un contact et si je suis en mesure d'avoir des réponses ou éventuellement un mot ou quelques mots avec cette technique un peu particulière. Alors si vous m'entendez et que vous souhaitez m'aider, pourquoi pas répondre à mes questions ou utiliser ma main et mon stylo pour écrire ou dessiner, eh bien Raymond, n'hésitez pas. Si quelqu'un présent ici ce soir souhaite s'exprimer à travers ma main, il peut le faire, je l'invite à le faire. Alors, je vais tenter de me concentrer. Je vais mettre le masque.
Voilà, donc là, je ne vois plus rien. Ce qui n'est pas très rassurant, je ne vous le cache pas. Je ne suis pas particulièrement bien, hein, donc ça va être très difficile pour moi de réussir à me canaliser, me détendre et respirer. Enfin voilà, être détendu, zen, concentré. Dix bonnes minutes vont ainsi s'écouler. 10 minutes pendant lesquelles je vais tenter de rester le plus concentré possible, laissant ma main griffonner doucement des lignes incertaines sur le papier, remplissant ainsi une demi-page de mon carnet. En dehors de ma tablette qui s'est arrêtée de fonctionner, rien ne se passe. La maison est très calme, aucun de mes appareils ne réagit, et je suis moi-même plutôt serein et tout à mon affaire. Mais soudainement, contre toute attente, quelque chose va changer. Quelque chose qui va immédiatement m'inquiéter, m'obligeant à mettre un terme soudain à cette séance d'écriture automatique. J'arrête parce que j'ai commencé à avoir des frissons partout et ma main s'est excitée terriblement là. Et c'est pas très... Je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise. Alors, il n'y a rien... Rien de tangible, rien de lisible réellement. Ce sont des gribouillis qui n'ont a priori aucun sens. Cette courte séance d'écriture automatique n'est effectivement pas très concluante. Toutefois, je ne suis pas allé au bout de l'expérience, y mettant un terme à partir du moment où quelque chose commençait peut-être à se produire. Alors que les mouvements de ma main devenaient clairement plus rapides et plus précis, j'ai posé mon crayon et relevé mon masque, inquiété par cette soudaine accélération et par les frissons envahissants qui l'accompagnaient. Peut-être qu'un contact était en train de s'établir à ce moment-là. D'ailleurs, quand on regarde ce que ma main a dessiné, on remarque que les trois dernières lignes s'apparentent presque à une écriture. Mais que cela ait fonctionné ou pas, je reste persuadé qu'il s'agit avant tout d'un effet idéomoteur, ce que l'on appelle de la psychographie, un phénomène proche de l'auto-hypnose à travers lequel notre inconscient ou notre subconscient s'exprime. Quant aux frissons que j'ai ressentis au moment où ma main s'est emballée, je pense qu'ils sont avant tout liés à la surprise et à l'inquiétude. Une chose est sûre, cette séance m'a remué, et elle m'a mis dans un drôle d'état. Je suis tout simplement vidé, exténué. Je ne vais donc pas persévérer dans cette voie, et je vais décider de contacter Didier par téléphone. Je vais lui proposer de me rejoindre pour poursuivre cette enquête en sa compagnie. Sa présence me donnera sans doute l'énergie et le courage nécessaires pour reprendre mon investigation. Alors, j'ai demandé à Didier de me rejoindre, et Didier m'a rejoint. Bonsoir, merci d'être là. Merci. On s'est déjà vu, mais... Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se mette dans le noir, dans l'obscurité, et je voudrais que tu m'accompagnes pour peut-être une heure d'enquête à nouveau, supplémentaire avant d'aller se coucher, et de voir ce qui se passe dans le reste de la nuit. On va monter à l'étage, je vais emmener la Spirit Box, il y a mon appareil photo qui est déjà là-haut, j'ai installé le Theremin à l'étage. D'accord. On va déambuler, on va voir ce qui se passe, on va surtout essayer d'être attentif au bruit. Donc je t'ai raconté aussi un petit peu ce qui s'était passé lors de ma soirée. Plutôt calme, même s'il y a eu quelques bruits, il m'a semblé entendre une voix dans la spirit box, plutôt féminine. J'ai eu des déclenchements de pod, assez surprenants, même si le courant était encore... le réseau électrique n'était pas éteint, n'était pas fermé. Ça pourrait expliquer ces fluctuations, mais étrangement, ça ne s'est pas reproduit de la soirée. Ouais. Donc je n'explique pas. Puis oui, c'est aussi des espèces de... Je t'en ai parlé de couinement, croissement, plus ou moins au même moment, dans la maison. Et c'est des sons qui te parlent pas du tout, apparemment. Ah non, non, là, c'est pas contre... Okay. Non. Non. Bon. Je vais éteindre. Voilà, je vais passer en infrarouge.
fait et on va monter. Ah, attends, je vais récupérer. Ah ben voilà, alors j'ai confié une caméra oui. à Didier qui va filmer aussi, tant qu'à faire. Ah, je vais faire le rôle de caméraman. Le caméraman que j'ai de temps en temps dans la chaîne YouTube, tu sais. Avec Alexis. Allez, c'est parti. Alors on va essayer de... Bah en fait, on va rester discret, on va essayer de voir si la maison peut s'exprimer sans qu'on la interpelle trop. Moi je ne serais trop invité aux pensionnaires de cette maison de bien vouloir se manifester s'ils le veulent. Alors j'expliquais aussi Didier que si j'ai souhaité que tu viennes, c'est que ces derniers jours, enfin de manière générale, mais ces derniers jours, c'est passé pas mal de choses. Entre la lumière qui s'allume apparemment toute seule. Alors c'est vrai que je les ai un peu provoqués, pas provoqués, mais enfin. Oui, tu savais que j'allais venir, donc tu as sollicité un petit peu. Oui, si tant est qu'on puisse les solliciter, j'en sais rien. Mm-hmm. T'as préparé le terrain. Voilà, j'ai essayé. En tout cas, j'ai eu des quelques petites surprises. Oui. On va aller dans ta chambre. C'est une des pièces dans lesquelles j'ai pour le moment pas été. C'est bien de respecter une majorité. C'est ça. Alors, le térémine est juste là. Est-ce que je lance la spirit box tout de suite? Allez. C'était toi ce bruit? Oui, mais ça m'a fait le marcher. D'accord. Le problème de cette chambre, c'est ça. C'est ce plancher. C'est le plancher qui grince. C'est l'endroit où ça grince le plus. Par contre, c'est impressionnant quand tu es en bas, dans la salle à manger, et qu'il n'y a personne en haut. T'entends le son démultiplié. Ouais. Non, mais c'est surtout quand t'entends... Ah oui, quand tu sais qu'il n'y a personne et que t'entends marcher. Ouais, et là, tout de suite. Ça nous est arrivé, et nous, sur 50 ans d'occupation de cette maison, ça nous est déjà arrivé au moins 3 ou 4 fois. Et là, il n'y a personne, c'est sûr. Écoute, moi, j'ai rien entendu de tel ce soir pour le moment. J'ai passé un peu de temps pourtant en dessous, hein, dans la salle à manger. Regarde, 50 ans, 4 fois. Toi, oui. Ouais. C'est pas une soirée que ça va arriver, forcément. Donc, il faut tomber au bon moment. Sauf s'ils veulent bien. Ils nous font le même, je sais pas. Alors, Didier m'a rejoint. Ça, c'est toi aussi, c'est moi. Et je me dis que vous auriez peut-être un message pour lui, quelque chose à lui dire. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser mes appareils, les faire réagir, et pourquoi pas la radio que j'ai posée sur le banc, qui est en face de nous, qui peut, a priori, vous permettre de nous transmettre un message. Si vous êtes avec nous, si vous le souhaitez, vous pouvez nous parler via cet appareil. Est-ce que vous êtes là? Il y a quelqu'un avec nous dans la maison ce soir. Je vous invite à nous rejoindre et à nous parler. Quel est votre nom? Qui êtes-vous?
pas que vous soyez inquiet, que vous ayez peur. C'est l'opportunité pour vous de mettre en place un contact. Profitez-en. Oh, c'est des claquements de porte, par exemple. C'est bon. Un claquement de porte Non, mais autre. Ah. Autre que des claquements de porte, est-ce que vous pouvez parler? On peut vous entendre. Un simple mot nous suffirait. Nous allons rester un certain temps dans cette chambre sans constater la moindre anomalie et sans entendre le moindre son. Puis nous allons nous déplacer longuement dans le reste de l'étage. Mais là encore, nous ne serons témoins d'aucune manifestation particulière. Nous allons ensuite rejoindre le grenier, dans lequel j'avais entendu cette voix féminine à travers la PSB-11 et que j'avais dû quitter précipitamment au bout de quelques minutes. Et j'espère entendre à nouveau cette voix et obtenir de plus amples renseignements à son sujet. Très rapidement, quelque chose va de nouveau s'exprimer à travers ma radio. Est-ce que vous pouvez nous parler ? J'aimerais que la jeune femme, ou la femme, il me semble que c'était une femme qui a réussi à utiliser la Spirit Box, l'appareil posé par terre tout à l'heure, pour... pas pour parler, mais en tout cas pour s'exprimer, le refasse. Est-ce que c'est possible? Bon, je n'ai pas mis complètement, comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Bonsoir. Pour parler, mais en tout cas pour s'exprimer, le refasse. Est-ce que c'est possible? Bon, je n'ai pas mis complètement, comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est dit. Bonsoir, je viens de vous entendre, on vous a très bien entendu. Et c'est bien une femme, hein. Tu es d'accord? Absolument. Alors, depuis tout à l'heure, la Spirit Box ne donne aucun résultat. T'es d'accord aussi? Oui. Et là, d'un coup, paf. Bonsoir, merci d'avoir répondu à mes sollicitations. Est-ce que vous êtes avec nous? Confirmez-moi que vous êtes bien là. Et que c'est vous qu'on vient d'entendre. Voix d'homme cette fois. Oui. Et que c'est vous qu'on vient d'entendre. Voix d'homme cette fois. Oui. Je m'adresse à la jeune femme qu'on a entendue, que j'ai entendue à deux reprises maintenant. Quel est votre nom? Donnez-moi votre prénom, s'il vous plaît. Ou votre nom. J'ai besoin de savoir qui vous êtes. Là aussi, quelque chose de féminin. Oui, mais voix différente. Ouais. Voix d'homme. Impossible de savoir ce qu'il dit. J'aimerais avoir votre prénom. J'aimerais avoir votre prénom. Combien êtes-vous ici dans cette maison?
Ça, c'est une bonne question. Combien êtes-vous dans la maison? Alors, voix féminine, 12. Ça paraît beaucoup, 12. C'est difficile hein, de comprendre. Tu aurais compris quoi, toi? Non, plus. Ça paraît beaucoup, 12. C'est difficile hein, de comprendre. Tu aurais compris quoi, toi? Non, plus. Ouais, non, deux. Vous êtes deux, un homme et une femme. Répondez-moi par oui ou par non. Vous êtes un homme et une femme et vous êtes deux. Est-ce que c'est ça? Dites-moi oui ou non. S'il vous plaît. Oui. Tu l'as entendu? Non, j'ai entendu non. Ah mince, moi j'étais plutôt sur un. Ah ouais. Tu vois, c'est... Ouais, c'est un peu loin, ça. Soyez clair, s'il vous plaît. Depuis le temps qu'on voudrait savoir combien il y a de personnes ici. Après avoir entendu plusieurs voix dont les possibles interprétations sont tout simplement étonnantes, la Spirit Box va redevenir étrangement silencieuse. En effet, nous allons rester encore un bon quart d'heure dans le grenier, tentant d'en obtenir plus. Mais nous n'entendrons absolument plus rien. Alors, que penser de ces quelques mots et de ces courtes phrases qui ont transpercé le bruit blanc et saccadé de mon appareil pendant seulement quelques minutes? Certes, rien ne permet d'affirmer ou de croire que ce type d'appareil, même bridé, est totalement fiable, et que les voix qu'il délivre parfois sont celles d'esprits, d'entités ou d'âmes errantes. Pourtant, les résultats obtenus dans la maison de Didier sont surprenants. Si on se fie aux interprétations, même si elles sont approximatives, que j'ai pu faire a posteriori de ces voix qui ont retenti dans le grenier, on peut remarquer que certains messages sont véritablement stupéfiants. Notamment parce qu'il s'agit de courtes phrases, ou de mots complets qui pourraient presque répondre à mes sollicitations, ou à la situation. Quand je demande, par exemple, si un contact est possible, ou que je m'interroge sur le nombre d'entités avec nous dans la maison, on pourrait presque croire que quelqu'un nous répond. Évidemment, il serait parfaitement déraisonnable d'affirmer que nous avons été entendus et que nous avons obtenu de véritables réponses. Mais je dois bien avouer que je reste fasciné et enthousiaste à l'idée que cela soit possible et que ce soit peut-être arrivé ce soir-là grâce à mon appareil. Comme nous n'entendons plus rien, je vais finir par éteindre ma Spirit Box. Nous allons rester encore un moment dans le grenier à observer et écouter dans le plus grand des silences, sans résultat. Puis nous allons rejoindre le salon au rez-de-chaussée. Nous allons nous y installer dans le noir pendant presque une heure, avec l'espoir de peut-être entendre ou vivre quelque chose qui sortirait de l'ordinaire. Mais il ne va absolument rien se passer de notable, ou de comparable à ce que j'ai eu l'occasion d'entendre ou de vivre notamment au début de mon enquête. Mes différents capteurs de mouvement ou de champs électromagnétiques ne réagiront pas, mes caméras n'enregistreront rien de particulier, et nous ne serons témoins d'aucune manifestation particulière. La maison est extrêmement silencieuse, comme endormie.
Après 7 heures d'enquête, épuisé, je commence moi-même à sombrer dans le sommeil. Nous allons donc décider d'aller nous coucher, laissant la surveillance des lieux à mes caméras et à mes différents capteurs disséminés dans la maison. Il est environ 1h30 du matin quand je rejoins ma chambre. Je vais me mettre au lit, la maison est blindée de caméras. Je crois qu'il y en a une sur le palier des chambres, à l'étage, dans le salon. Il y en a une dans le grenier aussi, qui se déclenche au moindre mouvement, caméra infrarouge. J'en laisse une ici cette nuit, qui va donc surveiller bien mon lit. Celle-là, cette caméra, je la garde sous la main au cas où, si j'ai besoin d'un coup de la prendre pour filmer quelque chose, de réagir, eh bien je l'aurai, elle me servira à ça. Et puis dans l'immédiat, bah écoutez, je vais me coucher tout simplement. Voilà. Allez, bah écoutez, peut-être à demain ou à tout à l'heure. Il est pratiquement 8h du matin, je me réveille. La nuit a été courte, mais j'ai bien dormi. Réveillé un moment par une chouette à l'extérieur. Là, j'entends que Didier est en train de se réveiller. Seul truc étrange, il faut que je voie avec lui. Seul truc vraiment, vraiment étrange, c'est que la porte de ma chambre est ouverte. Et je suis convaincu, même plus que convaincu, je l'ai fermé hier soir. Alors, je suis pas encore allé voir de quoi il en retourne, mais là, elle est entrouverte, alors qu'il y a une espèce de loquet qu'il faut soulever pour pouvoir l'ouvrir. Est-ce que Didier est venu me voir pendant la nuit? Moi, j'ai rien entendu. Ou alors c'est moi, il faudra que je vérifie sur les rushs. J'ai peut-être pas fermé comme je le pensais, j'en sais rien. Mais je suis à peu près convaincu de l'avoir fermé. Je vais aller voir Didier, je vais tout simplement lui demander ce qu'il en est. C'est vraiment bizarre. Apparemment, ma caméra statique filme encore. Peut-être qu'elle aura filmé quelque chose. Je vais l'arrêter. Non, c'est vraiment étonnant, je suis sûr. Mais je dirais à 100% d'avoir fermé la porte. Je suis sûr à 100% de l'avoir fermé. Et pour l'ouvrir, ben il faut soulever ça. Et ça fait du bruit, quoi. Je l'aurais entendu.
demander à Didier, il va me dire. Je vais juste ouvrir le... Vous allez pouvoir découvrir la maison de jour. Et moi aussi, finalement. Pas encore totalement levé. Là, ce que vous voyez, c'est une sorte de grange. Hein. Juste en face. Alors, autre chose surprenante, c'est que hier soir, Didier m'a dit qu'il allait laisser les portes ouvertes. Alors, est-ce qu'il est venu les fermer ? Faut que je vois ça avec lui aussi. Est-ce que cette porte, finalement, a été repoussée ? Celle-là aussi, et celle-là est fermée. Est-ce qu'il les a fermées pendant la nuit ? Il a dû venir. Il a dû venir, ou peut-être ce matin, pour pas me réveiller, je sais pas. Alors là, c'est ouvert. Est encore activé. La petite caméra que j'avais posée là, par contre, ne filme plus. Elle n'a pas dû réussir à tenir la nuit complète. Comment tu fais ? Bonjour, bonjour Didier. Comment tu fais pour descendre de ta chambre par cet escalier ? T'as fait le tour ? Ouais, j'ai fait le tour. D'accord. J'ai besoin de savoir, tu t'es levé cette nuit, t'es venu jusqu'à ma chambre ? Ah non. Par contre, alors écoute-moi. Non, je me suis levé il y a 7 heures pour aller aux toilettes, c'est tout. Ouais. C'est tout. Mais je ne suis pas allé chez toi. Par contre, moi j'ai noté à 2h28, il y a eu un grand bruit en bas. J'espère pour toi que la caméra l'a prise. J'ai failli descendre. Moi j'ai la porte de ma chambre qui est ouverte ce matin, quand je me lève. C'est ma fille. La porte de ma chambre est ouverte. La porte de ta chambre est ouverte ? Ouais. Je suis sûr à 100% de l'avoir fermée hier soir en me couchant. Ah mais non, je suis pas venu. Pourquoi je serais venu ? De toute façon, je mets pas en doute ça, mais tu m'avais pas dit aussi que tu fermais les portes tu laissais les portes ouvertes dans le salle de bain, tout ça, pour laisser qu'il y ait un confort. Non, on a fermé. Moi, j'ai tout fermé. Ah, t'as tout fermé, finalement ? Oui, j'ai fermé après. J'ai fermé en haut. Non, je te disais que c'était là que je... Je te laissais là. D'accord, t'as tout fermé en haut. Okay. J'ai tout fermé en haut et je laissais alors ça. Alors là, je suis sur le cul parce que moi, je suis sûr d'avoir fermé ma porte. Et tu vois comment elle marche, la porte de ma chambre ? Ah oui, pour ouvrir, mais t'as pas entendu ? Rien du tout. Moi, j'ai super bien dormi. T'as mis une caméra ? J'ai une caméra dans ma chambre qui filmait mon lit, mais pas la porte. Bah non, mais on doit entendre. Oui, j'ai essayé ce matin, j'ai ouvert, et ça fait un bruit de malade. Voilà, c'est un truc. Voilà. Par contre, hier. Donc ce matin, moi, je te dis, moi, hier soir, je suis convaincu de m'être couché en l'ayant fermé. De toute façon, c'est filmé, je le verrai sur la caméra. Moi, je suis pas... Et ce matin, ma porte, elle est entrouverte. Mais moi, j'ai super bien dormi. À part une chouette, à un moment, qui m'a réveillé... Surtout une porte comme ça, elle ne s'ouvre pas comme ça. Hein. Oui, c'est un loquet. C'est un loquet, donc c'est pas une porte ou une poignée. Par contre, je dis, moi, hier soir, très sérieusement, j'ai failli descendre. À quelle heure ? 2h du mat ? 2h28, exactement, j'ai regardé l'heure. Et eh ben elle filme encore celle-là, tu vois. Il y a eu un... Ah non, elle s'est arrêtée. Bon, elle a dû filmer quand même dans la nuit. Assez tard. Ah oui, non, mais c'était très, très près du moment où je me suis endormi. J'ai entendu boum. J'ai mis un peu de temps à m'endormir. J'ai dû m'endormir au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Ouais. Ben, après, j'ai écrasé, quoi. Et j'ai été super bien. Aucune inquiétude, aucune angoisse. Non, le calme, j'ai rien entendu. Je te dis, par contre, ce matin, donc je me réveille tranquillement, je vais pour. J'ouvre les yeux et je vois qu'il y a, bon, il y a un peu de lumière par les fenêtres, mais il y a un peu de lumière qui passe par ma porte. Ouais. Mais pas qu'un peu, en fait. La porte est ouverte. Pas grand, tu vois, mais. Entre-ouverte. Non, mais là, c'est bizarre. Tu t'es. Bon, je vais pas te reposer la question, ça fait vraiment suspicieux. Non, mais j'ai bien dormi. De toute façon. Ça a filmé aussi. C'est fou.
Ça, la caméra, moi, tu me verrais sortir. Oui, bah oui, j'ai la caméra GoPro. Quoi, ouais. Bon, elle a pas dû tourner toute la nuit. Hein. C'est vrai qu'il y a la caméra qui surveillait ouais, bon, je vois pas l'intérêt de te faire les... Et puis, alors, le truc de dingue, on a entendu aucun pote cette nuit. Alors, aucun pote. Parce qu'ils sont restés allumés toute la nuit, ils fonctionnent encore. Ouais, moi, il y en a un devant ma porte de chambre, justement, de pote. Oui, non, mais j'ai absolument rien entendu, si ce n'est un bruit qui m'a, moi, réveillé. Qui ressemble à quoi? Eh bien, écoute, qui ressemblait au bruit qu'a entendu Alexis. Moi qui m'a réveillé, moi. Et qui venait d'en bas pour toi, plutôt. Ah, bon, moi, c'était en bas. Écoute, c'est très simple, j'ai fait. Je te jure, j'ai failli. T'as failli te lever pour l'heure? Moi, j'ai écrasé. Mmh. J'étais tellement crevé hier soir. J'ai failli t'appeler. Je me suis dit, non, je ne vais pas embêter. Mais il devait être, je dis, 2h28, je regarde l'heure. Et j'étais dans le moment où je m'endormais. Voilà. C'est un truc de fou. Très net, hein. Très net. Mais je suis sûr de l'avoir fermé, ma porte. Et ça peut pas être le bruit de ma porte que tu aurais entendu plutôt? Non. Non. Tu sais si les... Parce que on va refaire le test. Tu veux pas qu'on le fasse maintenant? Si tu veux. Tu sais, avec le son qui serait passé, toi tu as eu l'impression que ça venait d'en bas, mais peut-être que c'était. Ah non, je connais la maison. Ce qu'on va faire. Ouais. Alors, ce qu'on va faire, on va se mettre dans ta chambre. Tu veux que je fasse le bruit du loquet? Non, alors je vais aller faire le bruit du loquet. Tu vas te mettre dans ta chambre. On va remettre exactement comme c'était. Donc moi je vais là-bas. Ok. Mais t'as trouvé les portes fermées? Ouais, je vais les refermer. T'avais la porte fermée, toi, de ta chambre? Fermée. Elle est fermée comme ça. Et malgré ça, t'as entendu? Ah oui, mais pour ça que tu dis que ça vient du bas. Alors mets-toi dans ta chambre, je vais faire le bruit de la porte. Alors... Je vais ouvrir... Ouais, puis ça peut pas être soit ouvert, soit fermé, ou alors que si je l'avais mis. Puis même la porte, elle s'ouvre pas tout seul, parce que j'aurais pu avoir l'impression de l'avoir fermée correctement. Est-ce qu'elle s'ouvre toute seule dans ce cas-là? Non. Non, parce qu'elle était vraiment entrouverte. Didier? Dans les différents bruits que j'ai fait, là, t'as rien de similaire? Ah non, rien du tout. Bon. J'entends très loin des bruits. Mais rien à voir. Non. J'ai essayé. C'est un bruit sourd. J'ai essayé de voir, tu vois, le loquet, comment il fonctionne. Ouais. En imaginant que je l'ai mal fermé, tu vois, et posé sur le. Pas ouais. Complètement enclenché. Oui. J'ai essayé de voir si la porte s'ouvrait d'elle-même, mais non. C'est pas une porte qui a un mouvement qui naturel, vient... elle reste poussée quoi. Ben voilà, c'est moi je te dis, allez, ben, viens voir. Tu l'aurais eu ouverte entièrement ce moment-là. Ben, c'est peut-être rien du tout, c'est peut-être, ça se trouve, je vais regarder les rushs et je vais me rendre compte que c'est moi qui n'ai pas fermé la porte en me couchant. Et là je suis en train de me. Non, mais vaut mieux s'enlever tous les. Mais écoute, on teste et puis je verrai bien. C'est ça le côté cartésien, tu vois. C'était comme ça quoi. Ouais, et puis attends, elle est forte en plus. T'imagines? Oui, elle s'ouvre pas toute seule. Il y a une résistance là. Bah elle s'est ouverte, elle est ouverte jusqu'à la résistance. Elle s'est ouverte jusqu'à la résistance. Putain, mais t'imagines un peu que tu l'entends? Je l'ai pas entendu. Et alors de l'extérieur, ça s'ouvre ça? Ah oui. Ah, ça fait peut-être pas le même bruit. Attends, je vais essayer d'ouvrir depuis l'extérieur. Ouais, ça claque forcément. Ah, tu entends? Oui, non, je ne peux pas ne pas l'entendre. Mais je l'ai pas entendu. Et alors, c'est bizarre, parce qu'autant je l'ai pas entendu, autant la chouette oui. m'a réveillé à un moment. Mais sur le matin, je pense.
Elle filme encore ce matin quand je me suis vu. Mais l'angle s'arrête à la chaise, il me semble. Ah, c'est dommage. Tu vois, ça va de la chaise à la chaise. Donc, ah, j'aurais dû la mettre là, quoi. C'est dommage. Là, t'aurais vu une porte s'ouvrir. Ouais, peut-être. Moi, je dis ça, je vérifie. Ouais, pas un grand angle, quand même. Non. Par contre, le bruit doit être enregistré. Ouais, non, ça s'arrête à la chaise. Oui, il y aura le bruit. Si c'est pas moi qui me suis planté hier soir et qu'il est, enfin, laissé ouverte. Et donc, dans l'idée où on entend la porte s'ouvrir dans la nuit, que je suis dans mon lit, que c'est pas toi. Ah non, non, mais qu'est-ce que tu veux que je vais. Bien sûr, en plus, j'ai un pod, j'aurais fait sonner le pod. Peut-être ouais, pas, mais. Non, mais je dis pas que c'est toi, hein, du tout. Hein. Tu m'as entendu. Par contre, moi, c'est le bruit à 2h28 qui m'a intrigué, franchement. Eh bien, hâte d'aller voir ce qui se passe à 2h28 sur mon enregistrement. En bas. C'est quelque chose de assez fort. J'ai repensé au bruit d'Alexis sur le moment. D'accord. Alors là, ça va être difficile d'aller le retrouver dans les rushs parce que je sais pas combien d'heures d'enregistrement il y a sur la caméra. C'est en début de nuit, hein. 2h28, c'est. On est couché. Même pas. On a dû se coucher. Si, je pense. Oh oui, à peu près une heure, oui. Oui. Après, Alexis lui avait entendu quelque chose de rouler. Il a fait le tour, il a rien. Et puis il n'y avait rien au sol qui puisse rouler, quoi. Mais moi, c'était ce bruit-là. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que je fais? Je l'appelle, je vais le voir. Mais le fait d'aller le voir, oui, non, mais ça sert à quoi? Je veux dire, le bruit a eu lieu. Oui, tu m'aurais réveillé, le bruit aurait eu lieu, on n'aurait rien trouvé. Ouais, et puis on aurait tourné en rond pour rien. Donc deux mystères, un bruit cette nuit vers 2h20 du matin, à vérifier sur les rushs, et ma porte de chambre ouverte au réveil. Deux options, soit je me suis couché en pensant l'avoir fermée, et en fait c'est pas le cas. Soit il s'est passé quelque chose cette nuit, et si c'est passé quelque chose, on n'en saura peut-être pas plus. Non, mais c'est filmé, de toute façon. Mais voilà, c'est filmé, donc il va falloir dérocher, regarder, il faut que je regarde ce qui s'est passé c'est sur filmé, les rushs. De toute façon, t'as trois caméras. T'auras celle d'en haut qui aura enregistré aussi. Bah, personne n'est rentré dans la maison cette nuit, de toute façon. Non, c'est voilà, pas vrai. Donc ça, on peut le mettre de côté. Non, ça c'est clair. Nous allons poursuivre cette conversation autour d'un petit déjeuner, tentant de trouver une explication à ce que Didier aurait pu entendre pendant la nuit et à ce que j'ai découvert avec étonnement en me réveillant au matin. Évidemment, notre discussion sera stérile et ne nous mènera nulle part puisque les réponses se trouvent dans mes caméras et dans ce qu'elles auront peut-être filmé pendant la nuit. Didier aurait entendu un bruit assez fort à 2h28 du matin, un son qui d'après lui semblait provenir du rez-de-chaussée. Voilà ce que ma caméra, postée dans le salon, a filmé à ce moment-là et que je vais découvrir plus tard, lors de l'analyse de mes enregistrements. On entend donc bel et bien un bruit fort qui s'apparente à quelque chose qui tombe sur le sol et effectivement, ce son provient du rez-de-chaussée puisqu'il n'est absolument pas audible sur l'enregistrement de la caméra postée à l'étage ou sur l'enregistrement de celle qui est postée dans ma chambre. Il ne correspond donc pas non plus au bruit de l'ouverture de la porte. Voici par contre ce que je vais découvrir en visionnant les images de la caméra qui surveillait ma chambre pendant la nuit. Voici ce qu'elle a enregistré vers 3h30 du matin alors que je dormais profondément. Écoutez bien, on va entendre un claquement, puis un grincement. C'est tout simplement la porte de la chambre qui s'ouvre. Une tache blanche vient de passer dans le champ supérieur droit de la caméra et a traversé la pièce. On entend un léger bruit. Dans quelques secondes, tout va devenir sombre, mais ma caméra filmera encore.
La torche infrarouge qui permet à ma caméra de filmer dans l'obscurité vient de s'éteindre. Un coup. Puis on m'entend m'agiter et respirer un peu plus fort. Voilà ce que ma caméra a filmé à 3h30 du matin cette nuit-là. Il est évident que le son que l'on entend d'abord est le bruit de l'ouverture de la porte, le claquement métallique du loquet, puis le grincement du bâton qui s'ouvre. Malheureusement, ma caméra n'est pas orientée dans la bonne direction et il est impossible de savoir ce qui s'est vraiment passé. Nous avons émis plusieurs hypothèses, mais aucune d'entre elles ne tient réellement la route. Et à l'heure d'aujourd'hui, je ne suis toujours pas en mesure de pouvoir dire ce qui s'est réellement passé. La tache blanche qui passe en haut à gauche de l'écran est un insecte. Si on tend l'oreille, on entend un bourdonnement juste avant qu'il n'apparaisse dans le champ de la caméra. Le léger bruit que l'on entend un peu plus tard ressemble au son que ferait du crépi qui tombe sur le sol. Mais comme là encore rien n'est visible sur l'enregistrement, impossible de savoir d'où il provient réellement. Quant à ma torche infrarouge qui s'éteint subitement plongeant l'enregistrement dans l'obscurité, a priori, là encore il n'y a rien d'étrange. En effet, contrairement à ma caméra qui est branchée sur le secteur, ma torche fonctionne grâce à une batterie dont l'autonomie est d'environ 2 bonnes heures. Il est donc tout à fait normal qu'elle cesse de fonctionner à 3h30 du matin, et la correspondance de son extinction avec l'ouverture de la porte n'est très probablement qu'un hasard. Quant au coup qui survient juste après et auquel je semble réagir, là encore, pas d'explication possible puisque rien n'est visible sur l'enregistrement. Grâce à la caméra, nous savons que la porte s'est bel et bien ouverte pendant la nuit. Et nous savons à quelle heure cela s'est passé. Mais ce qui s'est réellement produit à ce moment-là reste un véritable mystère. La seule explication envisageable aurait été que j'ai mal fermé cette porte au moment d'aller me coucher, laissant la clenche du loquet reposer sur le mentonnet. Un courant d'air, un changement de température, un mouvement ou un gonflement du bois auraient pu déclencher l'ouverture de la porte. Nos différents essais ont montré que c'était difficilement possible, mettant à mal cette théorie puisque nous n'avons pas vraiment réussi à reproduire le phénomène. Je n'ai donc aucune véritable explication à donner. Pour autant, ce n'est pas pour cette raison qu'il faut obligatoirement penser que quelque chose de paranormal s'est forcément produit, et je préfère encore privilégier une possible raison rationnelle, même si je ne la connais toujours pas. L'ouverture de la porte n'étant pas filmée et n'étant pas visible, le doute subsiste, et cet événement, comme d'autres pendant la nuit, ne peut pas être classé comme étant paranormal. Finalement, ce qui me semble le plus étrange dans cette histoire, c'est surtout le fait que le bruit de la porte qui s'ouvre ne me réveille absolument pas. Le soleil s'est désormais levé. Et je ne vais pas tarder à quitter cet endroit que je découvre enfin à la lumière du jour. Après ce deuxième séjour dans la maison de Didier, et après avoir visionné et analysé l'ensemble des images et des enregistrements que j'ai réalisés cette nuit-là, j'ai le sentiment d'avoir flirté avec l'étrange. Et d'un autre côté, je n'en ai pas non plus la conviction. Pourtant, il s'est passé beaucoup de choses pendant mon enquête. Mes différents ressentis, les déclenchements de mes pods, les bruits que j'ai entendus, ce que j'ai vécu en pratiquant l'écriture automatique, les voix qui ont retenti dans la spirit box et cette porte qui s'ouvre pendant la nuit. Tous ces événements peuvent paraître étonnants et mystérieux, mais en ce qui me concerne, s'ils ne m'ont pas totalement convaincu, ils ont surtout renforcé mon envie de passer d'autres nuits avec mon matériel dans cet endroit pour tenter d'en savoir plus et réussir, pourquoi pas, à filmer et vivre d'autres événements qui me convaincront peut-être définitivement que la maison de Didier est bel et bien hantée et me permettront peut-être de savoir par qui et par quoi.